Salut à tous, je vais vous raconter ma première manche Silverstone de l'ELMS. Donc je m'appelle Yann Erlaché, je roule sur une Norma LMP3 du team Yvan Muller Racing. Et donc voilà, on est aujourd'hui sur le circuit de Portimao pour les essais Michelin Cup et je vais vous raconter ma manche à Silverstone. Donc c'était notre premier week-end avec la Norma, ça s'est très bien passé pour un week-end de découverte. C'est une nouvelle voiture, donc une nouvelle prise en main, une nouvelle mécanique, une nouvelle technique. Tout était nouveau pour nous. On n'a pas eu le temps de faire beaucoup d'essais, donc c'était un peu compliqué de tout mettre bout à bout pour un premier week-end. La qualif s'est plutôt bien passée, on fait le 6e chrono. J'ai pris le départ en course, on a pris un plutôt bon départ, on a pu de belles bagarres. Voilà, c'était plutôt agréable à rouler et de se bagarrer avec certains collègues. Ensuite j'ai dû laisser le volant en 6e position et mes coéquipiers ont fait le travail. C'est des débutants en ELMS qui ont déjà un certain niveau, mais ils débutent dans les courses d'endurance. Et l'ELMS, faut savoir que avec les LMP2 qui dépassent, les GT à dépasser, ça fait un certain trafic à manager et c'est un exercice plutôt compliqué pour des débutants. Donc ils ont bien géré et on a réussi à finir dans le top 10. Donc c'est des premiers points au championnat, donc on est plutôt satisfait du week-end. Donc là, on est sous le soleil de Portimao pour les essais Michelin Cup et on va profiter justement de cette journée de roulage pour développer notre Norma afin de s'affûter et de perfectionner le réglage pour la suite du championnat où on a de grandes motivations de finir sur les podiums des prochaines courses. Donc ça, c'était pour mon week-end de Silverstone. Je vous dis à bientôt. La prochaine course est à Monza en Italie. J'espère vous voir là-bas. À plus.